Les États-Unis ont affirmé mardi que la Russie serait en violation de résolution de l'ONU si elle concluait un accord sur les armes avec la Corée du Nord, après que Moscou et Pyongyang ont prôné une coopération accrue. Tout type de coopération sécuritaire ou d'accord sur les armes entre la Corée du Nord et la Russie violerait sans aucun doute une série de résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. A dit à la presse le porte-parole du département d'État américain, Vedant Patel. Mardi matin, le président russe Vladimir Poutine a prôné un renforcement de la coopération avec Pyongyang. Dans un message adressé au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, Monsieur Kim a lui souligné la nécessité de continuer le développement de la coopération stratégique et tactique entre les deux pays dans le domaine de la sécurité et de la défense. Selon un message du ministre de la Défense Kang Sun-nam lu aux participants d'un forum sur la sécurité près de Moscou et cité par les agences de presse russes. Les États-Unis suspectent Moscou de chercher à s'approvisionner en armes auprès de son allié nord-coréen. Ces promesses de coopération accrue interviennent alors qu'un sommet entre les dirigeants de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon doit se tenir vendredi à Washington. Avec pour objectif de renforcer leur coopération en matière de sécurité face à une Corée du Nord de plus en plus menaçante.